Je rends gloire à Dieu, merci, Yelago, merci. Je rends gloire à Dieu, oh. Je rends gloire à Dieu, oh, paysan. Alors, si tu adores Dieu, faut lever ta main. Alors, si tu aimes le Tout-Puissant, faut lever ta main. Salut, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais super bien. Vous ne trouvez pas bizarre que je suis rayonnant comme ça? Malgré tout ce qui se passe là, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Voilà. Ouais. Comme vous le savez, hein, je sais qu'il y a beaucoup qui sont découragés, il y a beaucoup qui sont malheureux, tristes et tout. Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi. Mais je viens encore vous donner du réconfort. Voilà. Et vous dis d'avance, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'aurais un petit message à mon artiste de Bordeaux. Problème d'argent, c'est rejoué à l'argent. Les fans, ceux qui sont intelligents vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Problème d'argent se résout avec l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Et s'il y avait mort d'homme, voilà, on sait qu'on ne peut pas ressusciter cette personne-là. C'est là on dit, il n'y avait plus d'espoir. Sinon l'argent, Sika, Wari là. C'est avec Wari, on règle ça. Oui. Et en même temps, j'aimerais juste vous rassurer, pour vous dire, ce conseil aura bel et bien lieu. Parce que c'est juste un problème d'argent. Voilà. Moi, j'avais vu ça venir dans les statuts de mon artiste de Bordeaux. Mais je ne voulais pas vite le prononcer. Puisqu'il a dit, finalement, ouvertement, on sait maintenant que c'est un problème d'argent. Moi, j'ai réservé 5 tickets. Donc, je sais que ce concert-là aura lieu. Voilà, il aura bel et bien lieu. Parce que le mec dans l'histoire, il demande rien d'autre. Hein. Voilà, il demande que son fric. Et puis, participe au concert. Bon, c'est pas parce qu'il y a réconciliation que je vais faire mes choses cadeaux. On s'est entendu, donc je veux juste ma part. Et puis bon, le concert va bien se passer. Sinon, rassurez-vous, rassurez-vous. Ne jugez pas trop vite, ne parlez pas trop vite. Voilà. Et jusque-là, si vous vous rappelez bien, notre DJ à la fin ne sait pas encore prononcer. C'est pourquoi je dis, calmez-vous, continuez à réserver les tickets. Voilà, ce problème sera résolu. Et puis, je vous annonce que mon artiste sera aussi en direct à partir de midi. Vous aurez plus de détails. Sinon, c'est pas une grande affaire en fait. C'est une histoire de sous. Voilà. Et quand il y a une histoire de sous, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de sentiments, des sous ou rien. Voilà. Donc, calmez-vous les chers fans. La Légion, calmez-vous. La Chine, calmez-vous. Maintenant, regardons les deux Totoro. Mine et la BAC. Sinon, moi, ici, c'est rien. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'annuler mes tickets. Parce qu'il y a des gens comme quoi, ils vont attendre d'abord pour savoir. Truc d'être situé avant de continuer à payer les tickets ou bien à réserver les tickets. Ah, franchement, c'est que ces deux-là vous auront eu. Hein. Ces deux-là vous auront bel et bien eu. Le concert aura lieu. Ça, moi, je suis sûr de ça. Voilà. Et puis, en même temps, il y a un truc qui me fatigue. Quelles sont ces personnes-là qui aiment tant fatiguer mon artiste de Bordeaux, même? Le mec, vous savez qu'il joue pas à son affaire d'argent. Ça, il ne le cache pas, il le dit tout le temps. Dans son statut, il y a quelques jours, il dit c'est le seul BT qui aime l'argent comme le Djoula là. Il ne le cache pas, c'est pas une honte. Mais en même temps, je me dis que Senatis aussi, il a toujours eu ce problème-là. Je sais pas, bon, si c'est toujours la confiance qui lui joue des tours, qui le compromet après. Mais franchement, faut savoir que trop c'est trop. Voilà. Donc, chers légionnaires, chers chinois, on parle d'une histoire de 20 millions de cachets pour le concert de mon artiste de Bordeaux, qui n'a pas encore reçu. C'est tout ce qu'il réclame, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il réclame. Donc, il a dit clairement que s'il n'a pas cette somme avant la date du concert, il ne participera pas. Et puisque la date du concert c'est le 29, on a tout le temps, on a tous les jours pour régler ce problème-là. Donc, moi, ce que je vous dis là, voilà. Et continuez à réserver les tickets. N'ayez pas peur. Voilà. Parce que mine de rien, à part cette histoire d'argent, c'est une histoire de réconciliation d'abord. Voilà. Donc, de Bordeaux aura son argent. Ça, je suis sûr de ça. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont quand même réservé les tickets et tout ça. Donc, je sais qu'ils vont résoudre ce problème-là. Ils vont vraiment, vraiment résoudre ce problème-là. Parce que pour moi, vraiment, c'est pas un problème. C'est vraiment, vraiment pas un problème. Si c'était une histoire de, ah, quelqu'un est mort. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment compliquées. Mais l'argent, non. Il y a quelqu'un même qui peut dire, bon, petit, va faire le concert là, moi je suis dans tes 20 millions. Donc, ne soyez même pas découragés. Voilà, moi je suis pas venu dans cette vidéo-là pour vous décourager. Non, moi je suis venu pour vous rassurer, pour vous dire, le 29 décembre aura bel et bien lieu. Et puis une autre chose aussi. Mon artiste de Bordeaux,
Franchement, moi, il y a un truc qui me dérange avec toi, c'est que tu fais trop confiance en fait. Voilà. Pour quelqu'un qui dit aimer l'argent comme toi, tu fais trop confiance parce qu'en matière de business, normalement, ça doit pas arriver. Parce que mine de rien, tu es un des acteurs majeurs de cet événement-là. On dit le conseil de Bordeaux et Didier Arafat. On n'a pas dit le conseil d'Arafat et puis tu dois le soutenir. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle d'un conseil de réconciliation qui réunit deux icônes sur une même scène. Donc logiquement, ton staff devait être en mesure de régler tout ce problème-là avant d'en arriver là. Moi, je comprends pas. C'est pas intéressant que toi, l'artiste, tu sois toujours en train de parler d'argent. Il y a toujours des problèmes d'argent autour de toi quand tu dois faire des spectacles ou des concerts. C'est pas intéressant. Donc moi, c'est ce qui me dérange un peu. Sinon, je sais que tu as bel et bien raison dans cette histoire. Mais il faut essayer de revoir ça. Parce que c'est des choses qu'on gère en amont. On gère en amont. Avant même signature du contrat, tout ça, là, on gère en amont. Voilà, c'est des discussions sérieuses, en long et en large. On ne peut pas me dire que Orange a décaissé un blé pour toi et puis jusque-là, tu n'as pas encore reçu ça. Donc le blé est rentré où? Voilà, c'est la question que je me pose. S'il y avait un suivi au niveau de ton staff managérial ou toi-même de ta part, ce ne serait pas arrivé. C'est là qu'on parle de professionnalisme. Je vais toujours revenir sur ce mot-là parce que c'est le mot qui réunit tout. Voilà, parce que quand tu es professionnel, tu as rarement ce genre de problème-là. Voilà, je ne vous dis pas que le professionnel n'a pas de problème. Mais quand tu es professionnel, tu vides beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est vraiment pas intéressant. Et puis, c'est des cuisines internes, c'est des problèmes de cuisine interne. Il faut apprendre à les gérer d'abord hors réseaux sociaux. Maintenant, quand c'est trop, tu nous avises et puis nous on fait ton travail comme on a fait Lamine Sangaré. Parce qu'apparemment, ce que je suis en train de voir, c'est comme si c'est le problème de Lamine Sangaré qui veut on va dire quoi, qui veut revenir encore à nouveau. Ça, on n'a vraiment pas envie de vivre ça. Moi, je ne suis pas là à faire des vidéos pour dire non, donne l'argent de mon artiste, donne l'argent de mon artiste, non. Parce que je sais que cet argent-là, tu l'auras. Mais en même temps aussi, il faut que j'aie le courage de dire que c'est pas tout le temps que tu vas vouloir venir exposer tous tes problèmes sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que comme ça, c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Honnêtement, c'est pas intéressant. Moi, c'est la seule chose qui me dérange dans l'histoire. Hein. Sinon, je sais, je te connais. Je te connais. Tu es un homme de parole quand tu dis tu vas faire quelque chose, tu vas faire quelque chose. Mais si tu as dit tu vas faire quelque chose. Quand on a dit, on va te donner tant, il faut qu'on te donne tant. Si on ne te donne pas, tu ne fais pas. Voilà. Donc, aussi, toi, souvent, il faut essayer de te contenir, essayer de gérer tes problèmes en interne, en interne, en interne. Et maintenant, si tu dois venir faire un poste, c'est une histoire d'annulation carrément, comme tu l'as fait, je croyais, à partir de minuit. Moi, je pense, hein, c'est du genre, les amis, après toute négociation, je suis resté dans le silence pour ne pas vous faire peur, pour ne pas vous décourager. Mais voilà ce qui en ressort. Et moi, comme je n'ai pas envie de me faire une mauvaise popularité, je préfère sursoir à ce conseil-là, je n'y participerai pas. Mais quand tu commences par des posts qui créent un peu le doute dans la tête des mélomanes et des fanatiques, c'est vraiment pas intéressant. Voilà, ça faut que je te le dise, c'est vraiment pas intéressant comme ça. Il faut apprendre à gérer tes problèmes. Quand tu essaies de gérer tes problèmes en interne, que ça ne marche pas, tu viens mettre annulation. Quand ils vont voir annulation, ils vont dire, le gars, il est sérieux, allons-y résoudre son problème. Mais quand tu fais des postes progressifs comme ça, c'est pas trop, trop intéressant. Parce qu'on ne sait pas où se mettre. On ne sait vraiment pas où se mettre. Parce que, tu vois, tu as annoncé le truc. Tu as annoncé qu'il y avait un problème. Quelque part, tu n'as pas mal fait. Mais en annonçant, tu as freiné l'élan de réservation et d'achat des tickets de certains fans. C'est parce que moi, on m'appelle, on m'écrit, on me dit, non, ah, what t'as fait là? On est bien content, mais faut pas, on va payer nos tickets et puis après, on dit le concert n'aura pas lieu. Voilà pourquoi? À cause de tes postes. Voilà, moi c'est ce que je dis. Hein. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est des gens dorénavant, si tu as un problème, tu fais tout pour le régler en interne. Voilà, tu fais tout ce que tu peux, voilà, pour gagner ta raison pour le régler en interne. Maintenant, quand tu vois qu'il n'y a pas de solution, tu viens simplement, de manière drastique, comme tu es un homme pragmatique et direct, tu viens dire ah, après toute négociation, après. Tout mon élan de négociation, le discours qui va avec, je vous informe simplement que, devant toutes les fois que je suis, je ne participerai pas au conseil. Point. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu nous branches avec tes statuts, toi, tes statuts sont trop bizarres là. Nous, on sait. Parce qu'on sait que tu joues pas avec ton affaire d'argent. Voilà. Franchement, faut que les gens mettent ça dans la tête. Tu joues pas à ton affaire d'argent. Voilà, mais c'est pas intéressant de toujours exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, vraiment pas intéressant. Parce que tu donnes la force à ces personnes-là qui te voient d'abord, un, tomber, qui voient ton ami Didier Arafat tomber et qui voient aussi votre union se déchirer. Voilà. Moi, tout compte fait, je suis là, j'observe. Cette vidéo-là, c'est juste pour rassurer tous les fans de la Chine et de la Légion, de ne pas juger. Voilà, d'observer. Ne pas vous emporter, ne vous emportez vraiment pas. Si vous avez bien regardé la vidéo, je n'ai pas parlé de Didier Arafat, hein. Je ne me suis même pas adressé à lui. Voilà. Calmez-vous.
Problème d'argent, on résout avec l'argent. C'est ce que vous devriez dire dans cette vidéo-là. Problème d'argent, on résout avec l'argent. Donc soyez sereins. Moi, Stéphane Ahuy, je suis sûr et convaincu que le 29 décembre aura lieu. Voilà. La seule chose qui me fait mal, c'est la force qu'on donne à nos ennemis. C'est tout. Voilà. Donc, rendez-vous à midi sur la page Facebook de mon artiste de Bordeaux, Likoufa, pour plus de détails. C'était votre humble serviteur Héritor. Sachez que la musique ivoirienne vivra, quel que soit le coup bas. Voilà, les 20 millions de monatistes et le 29 décembre. Ciao, ciao les amis.